problème de permis. Je précise tout de suite, il y a beaucoup. Lorsqu'on dit sexualité des personnes âgées, le terme tout simplement âgé semble renvoyer à une sorte de date de péremption. C'est fini, c'est alargué, et puis voilà, il y a des meubles. On ne va plus en parler. On verra ça un peu dans le déroulement. Mais je tiens à préciser quelque chose, diapo. En ce qui concerne, n'est-ce pas, l'état des lieux, on se rend compte que l'être humain vit de plus en plus longtemps. Il fait des progrès, n'est-ce pas, de la science en général et de la médecine en particulier. Et qu'est-ce qu'on constate par la suite? Maintenant qu'il est âgé, qu'en est-il de sa sexualité? Est-ce un vieux meuble qu'on range quelque part là où il y a, n'est-ce pas, une vieille Mercedes qu'on va abandonner dans le garage du coin, de manière à ce que quand les voisins passent, ils se souviennent que ce monsieur avait, n'est-ce pas, une Mercedes? On va voir dans le détail. Parce qu'il y a tellement de croyances là-dessus. Il y en a qui trouvent que désormais, non, ça sert tout simplement à faire pipi. La femme va trouver que même quand l'homme semble la regarder du temps qu'ils avaient, n'est-ce pas, 20-25 ans, elle a le droit de lui rappeler que les enfants sont déjà grands. Sous-entendu qu'ils sont vieux et n'ont qu'à s'occuper d'autre chose. Et pourtant, le cœur ne cesse de battre. Alors, à 60 ans, toutes les études montrent que il y a quand même. Et il y a que la charpente commence un tout petit peu à prendre un coup. Avant 60 ans, il n'y a pas de souci. Mais après 60 ans, on commence à avoir, n'est-ce pas, quelques petites préoccupations. Diable. Voilà. L'homme va se rendre compte après 60 ans que là où sur un quart de tour, le moteur était lancé. Il va devoir s'y mettre un tout petit peu, s'entourer quand même d'une bonne dose de patience pour que ça prenne. Et quand ça a pris, il va devoir s'investir encore un tout petit peu pour que ça tienne la route, pour que ça ne tombe pas aussitôt. Voilà les problèmes chez l'homme. La femme, malheureusement, la ménopause est arrivée. Elle voit complètement évaporer ce qui particularise la femme. La femme a une substance, hein. Je vais laisser de côté les termes scientifiques, hormones et autres. Elle a une substance particulière qui est la spécifique qu'on appelle les œstrogènes. C'est elle qui, pendant longtemps, vous donne, madame, hein, cet aspect satiné de votre peau. Okay? Une fois qu'elle est partie, bonjour les rides. Et de la même façon qu'il n'y a non plus ces œstrogènes-là, quelque part là-bas, en bas, j'espère que quand je le dis ainsi, on se comprend. Voilà, tout devient sec. Et comme c'est sec, ça devient donc laborieux, hein, à recevoir, monsieur, donc les contacts sont douloureux. Voilà. Et parallèlement, quand même qu'ils y mettent, n'est-ce pas, ensemble, ce n'est pas évident pour elles, n'est-ce pas, d'atteindre l'orgasme. Mais il y a un point à préciser là-dessus, c'est quelque chose du vécu de la femme africaine. La femme africaine, malheureusement, a ce masque essentiellement accroché à la procréation. La fonction de procréation, tout son vécu durant, prédomine, hein, sur l'aspect de l'épanouissement sexuel. Au point où il y en a qui vieillissent ainsi, sans malheureusement avoir goûté les délices, n'est-ce pas, de l'orgasme. Tout simplement parce que elles savent pas qu'on a deux types de femmes à ce niveau. La vaginale et la clitoridienne ne jouissent pas de la même façon. Vous êtes clitoridienne, monsieur peut rester là matin et soir, vous n'allez jamais. Je, comme le gynécologue vous dit, qui vous êtes. Et paradoxalement, supplice de femmes, il y a plus de femmes clitoridiennes que de femmes vaginales. Alors, dans le même ordre, on se rend compte que
chez les personnes âgées, il y a une baisse, n'est-ce pas, du désir sexuel, mais c'est à relativiser, c'est pas assez évident. Tous les travaux qui sont faits là-dessus manquent directement de grand niveau, n'est-ce pas, de grand niveau scientifique pour pouvoir l'affirmer. Et comme je le disais tantôt, le poids des cultures et des traditions, ça reste dans le cerveau. Comme on a vieilli, quand ces choses-là, c'était pour la jeunesse. Et on prend soin, quand bien même on n'est pas pour ça, à vouloir gager à l'aîné. Alors qu'en fait, tout tient encore de ça, de la route. Et surtout pour les couples, où du jour en lendemain, il y a un partenaire qui décède. Le poids des traditions est là, souvent pas évident, surtout pour les femmes. Et devoir assurer une suppléance. On a pour que la conséquence est bien éventuellement poussée. Monsieur vers le cimetière pour rester jouer les heures heureuses sans ce corps qui réclame. Sauf que, comme je le disais, on peut, je vais cesser de le répéter, la vieillesse a une incidence sur le corps.